Salut, sur les mêmes projets que nous venons de voir tout de suite. Et là, je vous ai montré donc comment corriger les erreurs de calcul d'un poteau en béton armé sur SIPCAD. Maintenant, je vais vous montrer également un artus très très important. Nous allons voir comment placer donc la semelle des fondations sur SIPCAD. Voilà, donc vous allez suivre ce que nous allons faire. Je vais vous montrer donc comment peut-on placer la semelle des fondations. La semelle isolée que vous êtes en train de voir ici. C'est ce que je vais vous montrer. Comment peut-on placer dans la semelle isolée et sur CP4 pour les mêmes projets qu'on avait commencé, je crois, depuis la semaine passée, les poteaux isolés. Et puis, on pourra voir encore, il fallait plus d'autres éléments. Voilà. Alors, le projet est là. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant à ces niveaux? Étant donné que par rapport à la vérification, tout est OK, on a déjà très bien vérifié, donc avec. La section de 30 x 30, ça tient, mais aussi compléter déjà les étriers. Maintenant, ce que je fais pour placer donc la semelle des fondations, je vais fermer d'abord ça. Premièrement, je ferme ça. Je vais fermer d'abord l'édition des tableaux des poteaux. Ça, je ferme. Voilà, c'est déjà fermé, donc c'est parti. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Alors, c'est juste question de faire ceci. Vous venez premièrement ici. Regardez, donc je suis toujours au niveau des résultats. C'est là où je suis, au niveau des résultats. Et donc, aussi, de l'autre côté, je vais cliquer justement ici. Voilà, donc sur la fondation, je clique premièrement ici. Une fois cliqué, regardez ce que je viens d'obtenir. Voilà, vous avez ça. Ce que vous êtes en train de voir aussi, ça représente tout simplement le plancher. Et de l'autre côté, ça représente en quelque sorte dans la fondation. Alors moi, je sais que l'élément que j'ai utilisé ici, c'est tout simplement, c'est donc le poteau isolé. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je viens d'abord ici. Voilà. Mais déjà, je suis en train de remarquer une chose ici. Normalement, avant d'utiliser cet onglet, je devais d'abord faire la descente de charge. Je devais d'abord faire la descente de charge, calculer bien sûr avec donc la fondation. Et après, je pourrai donc achever ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc, je ferme d'abord ça. Je vais rentrer au niveau de entrée des poutres. Je viens d'abord ici, entrée des poutres. Voilà, je vais prendre calculer. Cette fois-ci, maintenant, je vais lancer les calculs avec fondation. Pourquoi? Puisque je vais effectuer la descente des charges. Voilà, je vais calculer directement avec la fondation. Donc, je prends calculer l'ouvrage. Donc, avec fondation. Et puis, je calcule. Voilà, la descente de charge est faite. Vous allez voir ici que, regardez, donc il n'y a aucune erreur. La réalité, c'est que l'erreur que vous êtes en train de voir ici, c'est dit ou fait. Tandis que moi, je n'ai pas donc tenu compte de ça. Et donc, je n'en ai pas besoin. Voilà, et puis je peux fermer. Je ferme. Voilà. Et maintenant, je peux continuer à ce niveau. Voilà, donc je peux rentrer d'abord ici. Je relance d'abord les calculs. Je prends d'abord sans dimensionner la fondation. Comme ça, avec fondation, je ferai ça après. Je vais d'abord effectuer la descente des charges sans dimensionner la fondation. Donc, je relance d'abord les calculs ici. Voilà, et puis je ferme. Voilà, donc déjà, ce qui concerne les erreurs, vous avez vu que tout a été bien corrigé. Je viens ici. Voilà, l'élément est là. Voilà, donc, attendez, je viens, ça c'est par rapport à la descente des charges. OK. Donc, c'est bien. Je vais accepter. J'accepte l'élément. Je vais prendre maintenant la fondation. Je viens de l'autre côté. Je prends donc fondation. Et puis, je descends. Je prends élément des fondations. Vous voyez? Donc, je prends élément des fondations. Je clique. Voilà. Et il y a déjà donc un message qui apparaît ici. Élément des fondations, semelle superficielle et sur pied isolé, sous poteau. En contact avec de mire, il est possible d'assigner de semelles superficielles ou sur pieux à des poteaux en contact avec de mire si seulement si voilà. Donc tout est normal. Voilà. Donc si vous refusez de ne plus avoir ce message, c'est juste question de cliquer ici et puis ça va ça va plus donc apparaître. Voilà. Moi c'est que je vais ça.
c'est pas grave pour moi. Mais aussi, c'est pas mauvais, hein, donc c'est bien des fois d'avoir ce genre de d'avoir donc ce genre de messages pour vous permettre aussi de comprendre la réalité de ce que vous êtes en train de faire. Et donc, c'est aussi bien. Voilà. Et puis, je viens maintenant ici. Là, on écrit nouveau. Voilà, je clique sur nouveau. Une fois cliqué, regardez ce que je viens d'obtenir ici. Déjà, ces niveaux, vous avez donc plusieurs types de semelles. Vous avez donc déjà, ça sont des pieds. Vous avez des semelles isolées, donc excentrées. Voilà, donc c'est à vous. Maintenant, c'est juste question de faire les choix. Alors, premier onglet, vous allez voir ici, c'est mentionné éléments d'un seul poteau. Et puis, ici, vous avez éléments à plusieurs poteaux. Alors, l'élément que moi, je suis en train de dimensionner, c'est un élément un seul poteau, puisque c'est un poteau isolé. Je prends ça. Je vais cliquer sur sélection de type. Voilà ce que j'ai à ce niveau. Alors, déjà, ça, c'est une semelle. Et donc, carré. C'est une semelle carrée, donc ça dépend de ce que vous aimeriez avoir. Ça, vous avez donc une semelle rectangulaire centrée. Ça, c'est une semelle rectangulaire centrée. De l'autre côté, vous avez une semelle rectangulaire, mais excentrée. Voilà, ici, vous avez donc semelle carrée et pyramidale. Donc, avec à peu près. Donc, avec cette forme. De l'autre côté aussi, vous avez donc une semelle rectangulaire centrée, pyramidale. Et puis enfin, vous avez une semelle rectangulaire excentrée, pyramidale. Voilà. À ce qui nous concerne ici, je vais dimensionner une semelle rectangulaire. Donc, je prends semelle rectangulaire centrée. Voilà, c'est ce que moi, je vais avoir. Alors, étant donné que j'ai déjà donc fait les choix, je vais tout simplement accepter. J'accepte. Voilà. Une fois accepté, vous allez voir que déjà l'onglet est là. J'ai déjà donc, il y a déjà une semelle rectangulaire centrée qui est sélectionnée là-dessus. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? C'est juste question donc de venir d'abord d'accepter tel que je fais. Et puis, je viens cliquer directement sur les poteaux ici. Je clique sur les poteaux. Directement, j'obtiens donc la semelle. La semelle est déjà là. Vous voyez? Donc, c'est ça la semelle. Mais c'est une semelle qui n'est pas encore et donc calculée. Voilà, donc je viens de placer déjà donc ma semelle sans problème. Alors, étant donné que j'ai déjà placé donc la semelle sous poteau, voilà, bien sûr, c'est en dessous des poteaux alors. Alors, maintenant, et après, je peux relancer maintenant les calculs. Pour lancer les calculs, je fais la même chose. Je viens ici, je prends calculer. Cette fois-ci, maintenant, au lieu de prendre donc calculer l'ouvrage sans dimension, comme on avait fait dorénavant. Cette fois-ci, là, maintenant, je prends calculer l'ouvrage avec fondation. Et non sans fondation. Il faut prendre maintenant calculer l'ouvrage avec fondation. Voilà, puisque là, je vais calculer avec la fondation par rapport à la descente de charge qui a été donc bel et bien effectuée. Je lance les calculs. Je patiente. Voilà, il y a encore un message qui apparaît. Voilà, après avoir lancé les calculs déjà, donc le message, il n'y a pas d'erreur. Je ferme. Et voilà, voilà maintenant donc, il vient donc de me proposer une semelle rectangulaire et une semelle plutôt carrée. Mais tandis que c'est que moi j'avais fait comme choix, c'était une semelle donc rectangulaire. Compte tenu de la section des poteaux que je suis en train de calculer, c'est un poteau carré, il m'a proposé aussi une semelle carrée. Regardez déjà donc la forme. Donc c'est très très simple à faire. Donc on voit que la fondation a été donc dimensionnée avec la section proposée par le logiciel SimpliCAD. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, je peux venir au niveau de résultats si je veux encore. Et puis, analyser d'autres éléments comme ce qu'on avait fait dorénavant. Voilà, je peux prendre d'abord la déformer ici pour essayer un peu de checker. Le poteau est là. Vous avez, donc ça, c'est dit par rapport au poids propre. Bon, c'est pas vraiment trop puisque par rapport au poids propre, la charge permanente. J'avais 0,18. 0,18, voilà, c'est bon. Et puis, vous avez charge d'exploitation ici. Là, 0,12, c'est pas trop, hein, c'est pas trop, donc, c'est petit. Bon, c'est bien, il n'y a pas de problème. Voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, par rapport à la sécurité aussi, je peux vérifier. Je vais patienter un tout petit peu. Patiente. Voilà, je crois que vous avez suivi très très bien comment nous avons donc procédé. Et donc, voilà ce que c'était prévu que nous puissions voir aujourd'hui. Merci de votre disponibilité.
Abonnez-vous massivement. Passez une excellente journée. Au revoir.